Aman Benson. Le journal des stratèges. Le rapport de la Cour des comptes, et on en a une petite idée des chiffres de 2020, puisque la crise sanitaire aurait coûté 93 milliards d'euros au budget de l'État en 2020, hors périmètre de sécurité sociale et des collectivités. Mais, en outre, les effets de la pandémie, ça c'est une chose, mais la Cour note que les dépenses non imputables à la crise ont progressé de 6,7 milliards d'euros en 2020. Soit une croissance proche de celle de 2019, plus 7,3 milliards, et bien supérieure à 2018 avec plus 1,5 milliard à ce moment-là. Et donc il parle d'une hausse structurelle des dépenses qui a tendance à les inquiéter.